Bonjour, monsieur Zaleb, de la classe CE1 et d'autres classes aussi. Bienvenue tout le monde sur votre chaîne Je communique Sifi. Alors aujourd'hui, toujours avec la reprise, soutien, je vais vous proposer des activités de soutien et d'approfondissement. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souligner les adjectifs qualificatifs dans les coupes du nom. Et vous allez souligner en bleu les lettres qui transcrivent le son ché. Et en rouge, celles qui transcrivent le son f. Et complétez les phrases avec les verbes proposés, puis écrire l'infinitif qui convient, soit être, soit avoir. Approfondissement. Et dans le texte ci-dessous, souligne les adjectifs qualificatifs, d'accord? Ici, vous avez des images. Elles vont remplir par des noms. Et voici des phrases au présent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire au passé composé. Alors, ce sont des activités réservées uniquement pour la classe CE1. Si vous avez votre cahier d'activité, prenez un 78. Faites le travail et on va corriger après. Pour les autres classes, il vaut mieux de suivre avec moi. Cette vidéo est dédiée à tout le monde. Je vous propose maintenant la correction. Ici, je viens de souligner les adjectifs qualificatifs dans les groupes du nom ci-dessous. Je lis d'abord ces groupes, ce groupe du nom. Un chien méchant. La grosse poule. Une petite souris. Un serpent endormi. Le chat noir. Ce flamant rose, l'énorme araignée, une vieille chèvre. Alors, je souligne les adjectifs qualificatifs dans les groupes du nom. Par exemple, ici, méchant. Alors, méchant. Grosse. Petite. Endormie. Noir, rose, énorme, vieille, un chien méchant, la grosse poule, une petite souris, un serpent endormi, le chat noir, ce flamant rose. L'énorme araignée, une vieille chèvre. Je souligne en bleu les lettres qui transcrivent le son ché et en rouge celles qui transcrivent le son fait. Et, par exemple ici, on dit un éléphant, feu, un éléphant. C'est la même chose ici, un phoque. Un phasme. Un phasme. Alors ici, donc, par exemple, il y a un cheval, une vache, une perruche, un hibou. Il n'y a pas de CH, un hibou et un temps. Alors un éléphant, un phoque. Et un phasme, c'est le son F. Le son ch. Par exemple, un cheval, une vache, une perruche. Je complète les phrases avec les verbes proposés, puis écris l'infinitif qui convient être ou avoir. Alors, normalement, on dit en U, c'est le verbe avoir. A eu, c'est le verbe avoir aussi. Et été, et avoir été, c'est le verbe être.
Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est le passé composé du verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont. Le participe passé, c'est eu, s'écrit avec eu. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Été, c'est le participe ici, c'est été. Alors, mon chien a eu des puces. Les antilopes ont eu peur du lion. Nous avons été sévrés par cet animal. J'ai été effrayé par cette couverture. Alors, on a déjà vu que a eu, ont eu, c'est le verbe avoir. Et nous avons été, j'ai été, c'est le verbe être. Normalement, ce sont des verbes au passé composé. On passe à autre chose. Maintenant, la partie de l'approfondissement. Dans le texte ci-dessous, en cette grande forêt vivent des singes agiles. Ils s'accrochent aux hautes branches avec leur longue queue. Ils poussent des cris perçants qui font peur aux oiseaux colorés. Je lis les adjectifs qualificatifs. On a déjà fait ça. Par exemple, ici, grande. Dans cette grande forêt. Vivent des singes agiles. Agiles. Cette grande forêt. Grande. Des singes agiles. Agiles. Ils s'accrochent aux hautes branches. Hautes. Avec leur longue queue. Longue. Ils poussent des cris perçants. Perçants. Qui font peur aux oiseaux colorés. Colorés. Alors, il y a ici le mot grand, agile, haute, longue, perçant et coloré. Alors, on continue ici. Les mots correspondants aux images ci-dessous commencent tous par la lettre H. Écrivez-les en aidant des dictionnaires, c'est nécessaire. Par exemple, on écrit ici hérisson, hirondelle, hippopotame, hippocampe. Toujours avec la lettre H. Hirondelle, hippopotame, hippocampe. Hérisson, hirondelle, hippocampe. Hippopotame, hippocampe. Qu'est-ce qu'il reste ici? Voilà. Voici des phrases au présent. Écris-les au passé composé. Tu as un chien. La chatte a des petits. Nous sommes contents de les caresser. On dit, tu as eu un chien. Le verbe ici, c'est le verbe avoir, au passé composé. La chatte a eu des petits. Et nous avons été contents de les caresser. C'est le verbe être, au passé composé. Tu as eu un chien. La chatte a eu des petits. Et nous avons été contents de les caresser. C'est tout pour le moment. Toujours avec cette semaine de soutien et d'approfondissement. C'est une sorte de reprise pour la classe de CE1 et pour d'autres classes aussi. Merci d'être toujours fidèle à notre chaîne Je Communique CG. Et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, au revoir et à la prochaine.